Bah, c'était le plus important de ta carrière. Je pense que c'était le plus important de notre génération, puisqu'il nous a permis de nous qualifier pour la Coupe du Monde en Espagne et forcément, par la suite, gagner les championnats d'Europe en France. Tu avais travaillé énormément les coups francs. Oui, beaucoup plus par jeu, parce que Jean-Michel Moutier avait la patience de rester une heure ou deux avec moi sur le terrain par la suite, et on s'amusait, on pariait, et ce qui me permettait de travailler. Et ça t'a pas un petit peu énervé qu'en début de carrière, on te compare toujours à un spécialiste des coups francs? C'est vrai que j'étais devenu un spécialiste de coups francs, ça m'énervait. Alors ensuite, j'avais horreur des coups francs, bien que c'était un atout pas négligeable pour notre équipe, parce que j'étais considéré comme un tireur de coups francs, et pour moi, il était important de marquer le but, ou sinon je me faisais siffler, alors que c'est pas évident. Est-ce que tu avais un truc tout de même? Non, l'important, c'est de pouvoir la mettre ou à gauche ou à droite, et puis après, de jouer en fonction du gardien, en fonction de son anticipation, mais c'est un deuxième degré. Bravo, gardien!